Venu à Brazzaville pour prendre part à la réunion de la conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC sur la situation politique et sécuritaire au Tchad, le vice-président de la République du Burundi, Prosper Bazoubanza, a bien voulu échanger avec le Premier ministre et chef du gouvernement, Anatole Kolini Makoso. Avec le chef du gouvernement congolais, il s'est agi d'évoquer les questions liées au développement agricole et à la formation des jeunes. Et c'était donc une occasion pour présenter nos sincères remerciements et compliments au peuple congolais et à son gouvernement pour les facilités qu'ils nous ont accordées. Et du même coup, exprimer de vive voix la volonté de renforcer les bonnes relations qui existent déjà entre les peuples congolais et burundais. Et par voie diplomatique, bien entendu, mon homologue a exprimé son vœu que ces bonnes relations soient aussi renforcées par des échanges au niveau des visites. Donc, que ce soit au Burundi, que ce soit au Congo, et nous nous sommes mis d'accord que cela devait se concrétiser dans l'avenir. Et bien plus, nous avons estimé que, notamment, que le Congo pourrait s'inspirer de l'exemple burundais dans l'encadrement de la jeunesse, et surtout en matière d'association, au niveau des associations agricoles, au niveau de l'encadrement pour l'autonomisation des jeunes et des femmes, et qu'ils pourraient suivre cet exemple burundais. Et bien entendu, nous sommes satisfaits de ces compliments. Il s'est de signaler que les deux pays entretiennent d'excellentes relations bilatérales depuis 1979.